Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir l'arme mythique de Venom. Alors pour ce faire, vous allez devoir regarder votre map. Donc regardez juste ici, il y a l'emplacement indiqué par un logo. Et là, c'est l'emplacement de l'arme mythique de Carnage. Donc il y a l'arme mythique de Carnage et de Venom. Là, je vais prendre celle de Venom. Donc voilà, c'est un incubateur comme ça que vous allez devoir ouvrir. Donc c'est le symbiote de Venom. Donc boum, vous l'ouvrez. Et là, vous obtenez l'arme de Venom. Donc attendez, je vais vous la montrer comme ça. C'est le symbiote de Venom. Une arme mythique. Alors grâce à cette arme, quand vous vous équipez, regardez, vous allez beaucoup plus vite. Tant qu'elle est dans votre slot, donc dans vos équipements, vous allez beaucoup plus vite. Sinon, ben, vous allez normalement. Alors regardez aussi, un autre avantage avec cette arme, c'est que vous pouvez vous déplacer super rapidement. Parce que dès que vous êtes en hauteur, boum, comme ceci, vous sautez et vous pouvez redéployer votre planeur. Et encore, c'est même pas votre planeur, c'est le planeur de Venom. Donc il est juste incroyable. Alors il y a encore un autre avantage. C'est que vous pouvez détruire toutes les constructions. Regardez, là, je vais mettre derrière. Donc là, regardez bien, il y a une pierre, deux pierres, un arbre. Ok ? Regardez bien moi ça. Je vais attaquer et ça va détruire tout sur son passage. Ça a détruit la pierre là et l'arbre. Donc c'est super efficace. Et donc on va inspecter pour voir ce que ça dit. Donc saisissez les ennemis avec un bras symbiotique. Et envolez-vous avec un planeur symbiotique. Nous sommes Venom. Donc en fait, vous pouvez choisir votre camp. Soit vous êtes Venom ou soit vous êtes Carnage avec le logo qui est juste là. Donc voilà. Et ça fait 62 dégâts quand vous touchez un adversaire. Donc j'ai vu qu'il y avait une poule. Je sais plus où est-ce qu'elle est. Je vais essayer de la retrouver et lui infliger des dégâts. Vous allez voir qu'on... Bah, de toute façon, il y a un ennemi là. Donc regardez. Je me demande si ça détruit un véhicule directement. On va voir ça. Non, ça ne détruit pas le véhicule, mais ça l'envoie en l'air, quoi. Alors, par contre, il y a un cooldown de 10 secondes, je crois. C'est juste énorme. Donc, on va essayer de lui infliger des dégâts, mais ça va être compliqué. Ok, on a infligé 62 dégâts. Et vous avez vu, j'étais même pas sur le joueur. Donc, en fait, ça le touche, on va dire, sans viser, vous pouvez le toucher. En fait, l'arme est intelligente, j'ai l'impression. Donc, même si vous visez un peu à côté, ça va quand même aller sur l'adversaire. Et ça, c'est trop cheaté. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swakulo Mike et ciao, peace.